tout est là compliqué là. Ouais. Je l'ai eu hier soir. Là. Ah mon gars, j'ai dit que ça serait de l'eau à boire. Et ça l'a été. Ah, comme ça. Hein. Ouais, ouais. Qui est sûr, on va faire ça. Ok, je te rappelle après. Bonjour Eleonore. Bonjour. Comment vas-tu? Mal. Je vais très mal. Qu'est-ce qu'il y a et tu vas mal? Tu sais, ce n'est pas bien d'agir comme tu le fais. J'ai fait quoi? Je t'ai vu hier avec une petite fille. Une mineure. Tu sais, je déteste avoir des propos pareils. D'ailleurs, qui t'a dit que c'est une petite? Ta tête dit qu'elle n'avait pas pu supporter. Tu es fier de ce que tu fais. On nous donne des salaires dérisoires. Pourquoi ne pas utiliser ces petites pour nous consoler? Attaque-toi à l'État qui nous paye mal. Et non à ces petites. Tu as une fille, n'est-ce pas? Que veux-tu signifier? La manière dont tu courbes les enfants des autres. Les autres aussi vont courber ta fille et ceci de la pire des manières. Celui qui s'amuse avec ma fille, je le tue. Tu courbes les enfants des autres et tu ne veux pas qu'on courbe ta fille? Ne fais jamais à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Et ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Commence à le faire pour les autres. Écoute, serais-tu fier d'apprendre des années plus tard que ton acte sexuel lui a causé des dommages irréversibles comme la stérilité? Serais-tu fier d'apprendre que ton appétit sexuel a sacrifié le bonheur d'une innocente? Serais-tu fier d'apprendre qu'en voulant satisfaire ton appétit sexuel, tu as causé la perte d'une innocente? J'espère que tu as une conscience et que tu vas la laisser te dominer. Bonne journée, monsieur. Monsieur le démarcheur de sexe. Hein? C'est qui le démarcheur de sexe là? Toi, tu es un démarcheur de sexe. On sait ce que tu fais là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu donnes des filles pour monsieur Jean. Qui? Moi? Attends, tu plaisantes, j'espère. Et puis tu entends de nier. Tu n'as pas honte. Regarde comment il est arrêté. Et toi, je te mets pas de mes situations, ça va pas chez toi ou quoi? Hein? C'est le minimum pour un démarcheur de sexe comme toi. Ça gagne des bonnes notes. Déjà, il y a quelque chose en dessous. Continue. Ce qui est sûr, on récolte ce que l'on sème. Démarcheur de sexe aujourd'hui, vendeur de lotus demain. Alberic, on y va. Les filles, je ne sais pas, attendez, c'est temps. Une petite commande. Il y a mon cousin qui veut une fille au sexe vert, surtout vierge. J'espère que tu vas lancer la commande. Bonne journée. Mais les filles, attendez. Mais les filles, attendez. Il s'agit de l'espace de ça. Ok, les 10x plus 1 s'annule là. X moins 1 s'annule ici.
maintenant, on a moins et moins ici. Mais mon petit, ça c'est quelle tête de mauvais jour que tu m'as fait là? Monsieur, vous n'êtes pas au courant de la nouvelle qui circule, non? Nouvelle? Quelle nouvelle? Démarcheur de sexe, démarcheur de sexe. Voici mon nouveau nom. Tout le monde m'appelle ainsi parce qu'ils savent que c'est moi, je manage les filles pour vous. Et quels sont ceux qui t'appellent ainsi? C'est pas Muriel et Albéric, non? Muriel et Albéric? Ceux de ma classe, sûrement. Ok. Ne t'en fais pas. Tu sais, toi j'étais pris pour être mon bon petit. Ça c'est vrai, monsieur. Et c'est ça qui leur fait mal. Mais quel que soit ce qu'elles vont te dire, ne te décourage pas. Tu sais, elles aussi, elles misent le tout pour le tout pour faire partie de mon univers. Mais elles n'auront pas cette chance. Tu es mon bon petit et tu le restes. Mais dis-moi, t'as quelle nouvelle? Monsieur, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. J'ai tout misé, mais rien. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi difficile à convaincre qu'elle. Mais monsieur, c'est ça. J'ai vu une fille dans la classe de mon cousin. Monsieur, elle n'a pas de... elle est cool. Ah je, bon? Je préfère qu'on lui porte une jeunesse. Plus cool que Tani? Ah monsieur, c'est une véritable bombe sexuelle. Ah. Au boulot alors? Okay. Et surtout, tu me ramènes de bonnes nouvelles? Ok, pas de problème. Okay. Monsieur, t'as compris? Ok, j'ai compris, mais monsieur... Quoi encore? Monsieur, professeur, je dois rentrer, mais j'ai plus assez de carburant. Garçon, avec les bonnes notes que je te donne, tu veux encore que je te donne de l'argent? Je sais pas ce que vous faites. Je dois aller chez la fille dont je vous parlais. Maintenant, j'ai plus assez. Ok, pas de soucis. Tu prends ces 10 000 francs, j'enlève 5 000 et tu me ramènes la monnaie. Hé, hey, monsieur, je suis franc, vous êtes un 10. Ok. Tu me ramènes la monnaie? Il y a fois, monsieur, vous êtes un 10.